Au nom du Père, qui, Papa, qui se loquele mokelo, du Fils, dit Papa, Delungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbango Kengani, nous nous trouvons dans les locaux du Palais de la Justice de Paris, les nouveaux locaux, car comme vous le savez, les anciens locaux se trouvaient dans l'île de la Cité. L'île de la Cité, où s'est déroulé le grand événement lundi dernier. Et là, il y a quelques mois de cela, la justice, ceux qui lisent le droit, avaient décidé que cela puisse se dérouler ici, dans ce grand building. Donc, la phrase d'entrée, comme vous le voyez, c'est écrit, je vais vous le remettre. Tout être humain, attention, ici on ne dit pas humain, mais ce qu'ils sont devenus. Parce que c'est marqué, tout être humain naît libre et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon le franc-maçon René Cassin. Alors, votre kitulia ou mouki ndinga ya tata mwanda velela, kwa yeto, enkumbu ya etre kayi kalangako, inakaka mouti. Muntu bo wutu kidi wena vuidi mamo ye kadilu vuidi ndwenga e tomene kuzaya toma kizaya foti zdiati la kwa konso empangeni kunza kuwiza na mbote ye mamu mama kuzisonga raha kadudyambu didi dina jantisibeni nza ya niku kayenimi nza yizele mamu imujojo bampangi kuzisonga jambu didi kuntuala kutayambila c'était le médiatri de ce jour, spécialement conçu pour vous.
le média qui, donc les messagers pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des architectes Kimbangu, nous trouvons dans un cadre de justice, c'est-à-dire rendre l'ordre juste. Vous savez, Melchizedek, Tatate Solokele, c'est l'ordre juste. Il est notre modèle politique. Mwadia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, en tant qu'ambassadeur de l'esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit, donc Tata Simon Kimbangu Tiangani, le chef spirituel, représentant légal de cette nouvelle civilisation, nouvelle manière du vécu des humains sur terre. Ici, nous voulons, vous avez suivi la lecture de la lettre, ou bien de l'information, avait évoqué un certain René Cassin en 1948, lors de cette fameuse règle de droit appelée Déclaration universelle des droits des hommes. Je voulais faire remarquer quelque chose, c'est que dans ce texte de René Cassin, il dit tout être humain, attention, dans la cosmogonie Congo, il n'y a pas la notion de l'être humain, il n'y a que le monde, il n'y a pas être. Parce que Tata Simon Kimbangu, là on est en 1948, en 1948, sa deuxième disposition physique, Papa Koutima Diangenda, a 30 ans. Le Seigneur Jésus-Christ vient voir Papa Simon Kimbangu en prison à Lubumbashi, c'est-à-dire cet endroit où il est allé, je veux dire, préserver son territoire, en Lubumbashi, son terroir, parce que le Congo est un et indivisible. Alors, il vient voir Papa Simon Kimbangu, notre Seigneur Jésus-Christ, dira, ah Kimbangu, c'est vrai qu'on s'est convenu, toi et moi, pour que tu puisses réajuster l'ordre. Tu es le consolateur, tu es appelé à faire rentrer le brebis que je n'ai pas pu faire rentrer à Nazareth. Parce que quand je suis venu à Nazareth, j'ai fait rentrer 99 brebis, 99. Et il manquait un centième. Ah ben, ce centième, c'est celui qu'on appelait le négro, le noir, l'objet de peu de valeur. La pierre rejetée, celle-là qui devient la principale de l'homme. Ah ben, le Christ Jésus dit, tu souffres trop, Papa Simon Kimbangu. Non. C'est quand on s'est convenu, 30 ans, c'est 30 ans. Et donc là, nous sommes en 48 et René Cassin fait cette déclaration. Après ce que j'ai lu là-bas, hein, c'est l'information. Je suis dans l'enceinte du palais de ceux qui rendent la justice. C'est-à-dire que l'ordre juste, que semble censé représenter l'ordre juste. Mes amis, je vous avais évoqué mon modèle politique. Papa qui se reconnaît le chat. Dans ce support dont je me suis procuré grâce à. Donc, vous êtes entendu que je vous avais évoqué Dieu le Père, mon modèle politique. Papa qui se reconnaît le Mikelo. Celui-là même, parlant de la justice, à l'âge de 7 ans, fut jugé par une cour militaire dirigée de main de maître par le commandant de Rossi, donc Saint-Alba, venu d'Italie, donc un albinos, un fumbi, un fugambi, à l'âge de 7 ans, et ce dernier témoigna de la justice de ce que son père avait entrepris, donc ce qui est de la restauration de l'humanité. Est-ce qu'il dit bien moi qui manque. Et là, je vais faire état de ce qui est signifié ceci. Tata Simon Kimbangu Kyangani.
da da na yo a chike la ki yo mo kumba ya ko bi ki sa li po ta ya ba yi lo o mo ka ye ku se le ni o yo kamba. Ça c'est mon conseiller politique, ce que j'appelle le Bessonon de Tata Yohann Moukoko, le Bessonon de la journée du 18 mai 1921. L'ordre juste, juste, la justice, sa divinité, Tata Simon Kimbangu, celui-là, le même qui est le patron de la quatrième et dernière génération, nous signifie ceci. Mes chers enfants, vous êtes des ambassadeurs. Papa qui se loquait le Nokelo, c'est le chapitre 4 de ce support dont je me suis procuré. Page 75 de notre patriarche, le neveu de Tata qui se loquait le Nokelo Cha. En 1958, au mois de mai, le roi des Belges, le roi Baudouin Ier, organisait un concours dans l'administration publique du Congo belge, donc mon territoire occupé par les peuples du monde des ténèbres, Belgique, la magie de Bâle. Ce concours était aussi organisé dans d'autres colonies belges, tels que le Rwanda et le Burundi. Ce concours avait, pour raison fondamentale, d'évoluer, ou bien d'évaluer, les compétences administratives, c'est les compétences administratives des commis en chef des colonies du Congo belge et du Rwanda au Burundi. C'était eux. En fait, qui constituait les fondamentaux des évolués des colonies belges en Afrique centrale. Mon modèle politique, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lokelo Cha, était éligible à ce concours administratif colonial. Cependant, avant ce choix, par révélation divine, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lokelo Charles, donc Charles veut dire fort, le fort, Wangolo, Wangolo, était averti par son papa, Tata Simon Kimbangu. Je vous signale qu'on est en 1958, au mois de mai, de ce qui allait se passer autour de lui pendant ce concours en Belgique. Donc, il était averti spirituellement de ce voyage. Et Papa Simon Kimbangu lui avait dit clairement qu'il était parmi ceux choisis par les Occidentaux pour aller en Belgique, donc les Alba. Hein, vous savez, les Blancs, je vous dis toujours que le terme blanc vient du terme Alba. Alba qui vient de albinos, albinos qui veut dire les Fumbi, les Ndundu ou les Fubiambi, c'est-à-dire les peuples mal disposés spirituellement. Mais avant ce voyage, il était instruit divinement par Tata Kimbangu de se rendre d'abord au sein de saint, c'est-à-dire le terroir du saint des saints, Kamba, où sa mère s'y trouvait. Kakamwilu Kawanga Marie. C'est seulement après cet entretien en Kamba avec sa mère, Tata Kisolokele, partir pour la Belgique, lui avait instruit, tel que lui avait instruit Tata Simon Kimbangu, l'esprit de vérité. Je vous signale, en ce moment, on est en 58. Tata Kimbangu est censé se transfigurer depuis le
C'est ton. Parce qu'on est en 58 au mois de mai. Et Tata Kimbangu, premier, s'est transfiguré le 12 octobre, le vendredi, en Papa Simon Kimbangu Kyangani, 1951. En date du 3 mai 1958, donc Dieu le Père, Tata Kisolokelo, nous avait appelé, donc ça c'est Papa Aaron qui parle, le Dinga Kinsukulu, le neveu de Papa Kisolokele, qui est contemporain, donc Dieu le Père, quand tu nous as visités sur Terre entre 1914, 17 mars, 17 février, 12 février jusqu'à 17 mars 1992, tu nous as visités pendant cette période-là sur Terre. Donc le 3 mai, Papa Dinga Aaron explique. Le 3 mai 1958, Papa Charles Kisolokele nous avait appelé chez lui. Moi, Aaron Dzinga et Tata André Mbenza. Lors de l'entretien, il nous parla comme suit. Écoutez les propos de Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo, le fort, donc Charles. Mes enfants, c'est pour la première fois que les Belges m'appellent. Fassent leur choix sur ma modeste personne parmi les commis en chef de l'administration coloniale pour un voyage en Belgique. Cependant, ce qui est surprenant pour moi, avant ce voyage, mon père, Papa Simon Kimbangu, est venu me l'annoncer. Il m'a intimé l'ordre d'aller voir ma mère, Mama Mouilou Ankamba, avant que je prenne l'avion pour la Belgique. Pour cela, je laisse ma maison, mon épouse aussi que mes enfants sous votre bonne garde. Bonne garde, bonne garde. La garde bonne, la bonne garde. Moi, je vais quitter Kinshasa demain matin pour Nkamba et revenir sitôt à Kinshasa pour, vu l'urgence du voyage d'Europe, afin que je parte avec les autres pour la Belgique. Fin de citation. Ainsi, nous avions remercié Papa Charles Kisolokele pour cette marque de confiance qu'il avait placée en nous. Papa Kisolokele était parti. Nous sommes restés avec Maman Tsalulu Akanda, Pauline et les enfants. En début du mois de juin 1958, Papa Charles Kisolokele terminait son séjour en Europe, précisément en Belgique, et rentrait immédiatement à Kinshasa, au Congo belge. À peine rentré au pays, il s'en allait d'abord à Nkamba, accompagné de son frère cadet, Papa Kuntima Diangueda, pour la restitution de son voyage auprès de sa mère et ses deux jeunes frères. Ensuite, il se rendra à Tchela. Une fois à Tchela, Papa Charles Kisolokele avait appelé tous les Bessingombe, c'est-à-dire les hommes qui étaient des Bessingombe aux alentours de Nzilamashine, qui avaient vécu ensemble avec lui en ces lieux et nous avait adressé ce message. Voilà l'oracle, moi j'appelle ça l'oracle. Là, c'est sa divinité, Papa Kisolokele Lukelo, Charles, qui s'adresse à Bessé Ngombe. Mes chers frères, moi, votre père, je vous ai laissé ici au Congo pour l'Europe. Maintenant, je suis de retour. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour Papa Simon Kimbangu. Car tout ce que nous, peuple noir, attendons depuis longtemps, vient de trouver son chemin. Autrement dit, il vient de trouver sa solution au cours de mes entretiens avec le roi des Belges. Tenez, avant mon départ pour l'Europe, j'avais fait appel à Papa André Mbenza et à Papa Aaron Dzinga. Je suis certain qu'ils avaient eu l'amabilité de vous transmettre tout ce que je leur avais dit. En l'occurrence, la recommandation de mon père
relative à ma rencontre avec ma mère, Mama Mouilou Ankamba. Avant mon voyage pour la Belgique, eh bien, une fois en Kamba, Mama Mouilou m'avait révélé ce que Papa Simon Kimango lui avait confié en rapport avec le contrat signé entre mon père et le roi Albert Ier, père du roi Léopold II et grand-père du roi Baudouin Ier, à propos de l'autonomie du Congo et de l'Afrique. Fin de citation. Papa Arandinga continue son explication ou son rapport. Et Papa Charles Kisulokile donc de reprendre la parole de Mama Mouilou. Là, c'est Ngoudi Anlongo qui parle. Ngoudi Anlongo, il s'adresse à son fils, Papa Kisulokile Lukile. Charles, une fois la mission pour laquelle vous êtes convié en Belgique, donc à Bruxelles, terminée, vous ne pouvez pas rentrer au Congo belge sans avoir rencontré le chef de l'État belge, le roi Baudouin. Lors de votre rencontre, vous allez poser deux ou trois questions liées aux accords existants entre Papa Simon Kimbangu et le roi Albert Ier, en ces termes. 1. En 1885, le roi Léopold II, le grand-père du roi Baudouin Ier, avait signé une convention d'une durée de 50 ans pour coloniser l'homme noir. 2. Et qu'après 50 ans, il devait accorder l'indépendance au Congo, tout comme aux autres pays africains sous tutelle, pour que l'homme noir puisse retrouver sa liberté. Et à Papa Kisulokile, donc, félicitations de Ngoudi Anlongo. Tata Kisulokile reprend la parole en disant: en 1939, votre père, le roi Albert Ier, avait été fait prisonnier en Allemagne, où il était parti apprendre le maniement des armes, ou du moins ce jour pendant lequel il avait profité d'établir un plan diabolique pour l'élimination du peuple noir. Le centre d'intérêt de ce plan était que le jour où les Noirs essayeront de réclamer leur indépendance, ils seront tous éliminés. Fin de citation. Pas qu'ils soient le chat. Toujours plus souvent le dire de Ngoudi Anlongo Nkakamui Lukiawanga, c'est la même. Parce que Mouilou veut dire l'étoile, Kiawanga qui entend dire l'échange la nuit du 5 au 6 avril 1921 avec Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et Tata Simon Kimbangu, et le matin qui a rendu la femme respectueuse, Nzitusu, Nzitani, en allant sonner la cloche qui mettra sur la sellette cette nouvelle civilisation, le Kimbanguisme, le 6 avril 1921, Kambasa. Papa Ngoudi Anlongo parle, Kakawanga. Vous direz au roi des Belges que c'est Simon Kimbangu, alors qu'il était encore en prison à Elisabethville, était parti en esprit en Allemagne pour rencontrer le roi Albert Ier afin de signer une seconde convention avec lui sur l'indépendance du Congo et de l'Afrique, et surtout de libérer ce dernier, donc le roi Albert Ier. Et dans
dans sa prison d'Elizabeth Bee, donc actuelle Lubumbashi, il s'était souvenu de la convention signée par le roi Albert Ier et il s'était dit que si le roi Albert mourait en prison, les Allemands allaient récupérer la convention, la détruire et après procéder à la liquidation du peuple noir. S'étant rendu compte de ce danger, Papa Simon Kimbangu, de sa prison, s'était rendu instantanément en Allemagne auprès du roi Albert Ier pour lui poser la question à propos de la libération de l'homme noir selon la première convention de 1885. Ensuite, la signature d'une seconde convention pour le faire sortir de la prison allemande. S'il acceptait, après un temps, d'accorder l'indépendance à la RD Congo. C'est ainsi que le roi Albert Ier, fin de citation, donc, Papa Nzinga Vinsukulu continue, c'est ainsi que le roi Albert Ier, après signature de cette seconde convention, sera libéré sans délai, ou du moins sera libéré d'une façon mystérieuse en le faisant disparaître de sa prison souterraine en Allemagne, car physiquement le roi Albert s'était retrouvé en Belgique. La copie de cette convention, au dire de Mama Mouilou, repris par Papa Kisolokelelokelo, Dieu le Père, se trouvait à cette époque entre les mains de Papa Simon Kimbangu Ier. Avant sa transfiguration, il l'avait remise à Kaka Mouilou Kawanga Marie et que l'original se trouvait entre les mains du roi Albert Ier, puis remise entre celles du roi Baudouin, le roi Baudouin. Et après que Mama Mouilou eut donné toutes ces informations et le document de la convention à Papa Kisolokele Lukelo, elle ajoutait ceci: mon fils Charles, une fois à Bruxelles, demandez au roi Bodo, dire au roi Baudouin Ier, s'il dispose de cette convention dont nous parlons ici et s'il est au courant de cette convention. Si oui, demandez-lui s'il est prêt à accorder l'indépendance au Congo. Alors, au cas où il accepterait d'accorder au Congo son autonomie, sa souveraineté nationale, qu'il nous donne alors l'année, le mois, le jour de cette indépendance. Cependant, s'il refuse et qu'il vous le remette, autrement dit, ce refus confirmerait la guerre entre Simon Kimbangu pour l'Afrique et lui, le roi Baudouin Ier, qui représenterait l'Europe. Alors, celui qui va l'emporter gagnera toute l'Afrique. Fin des citations, c'est les propos de l'échange entre Kaka Mouilou Kawanga, Kaka Mouilou Ier, parce qu'aujourd'hui elle est avec nous, elle s'appelle Diengenda Lufinama, approchons-nous d'elle. Diengenda Francina Marie. Alors, ce qui se passe entre Papa Simon Kimbangu et le roi Baudouin Ier est un réel combat mystique, spirituel, mais aussi physique. Parce que Papa Kisolokelelokelo est à Bruxelles et il vit ce conte de fées avec le roi Baudouin Ier. Ceci n'est pas un mythe, mais une réalité sur l'indépendance de la
l'indépendance donc du Congo occupé en ce moment par la coalition internationale. Parce que je vous ai toujours dit que la Belgique, c'est un territoire tampon que les Anunnaki, les peuples du monde des ténèbres, dans leur organisation raisonnable, comme qui dirait, ont mis ce territoire tampon, la France, l'Angleterre, la Belgique, qui est donc la Belgique, la magie de Bâle, l'Allemagne, donc tout ce que vous voyez, les tampons, quoi, donc les Occidentaux, en mettant un substrat de, comment qui dirait, un bourbon, parce que tous, la même famille royale, hein, ils sont tous en Europe, c'est la même famille royale, donc ils ont mis un bourbon pour pouvoir être comme étant l'autorité honorable. Parce qu'en bas, sur le cachet, c'est toujours les peuples du monde des ténèbres, les Rothschild, les Anunnaki, les francs-maçons, en fait, l'héritage de notre ancêtre Nimrod. Parce que Nimrod, c'est lui qui est à l'origine de la tour de Babel. C'est pourquoi nous nous qualifions les Mfumbi. Hein, les Mfumbi, c'est ce qu'on appelle ceux qui manquent de l'écoderme, les albinos, les alba. Parce que albinos vient à donner, on l'appelle alba, et alba qui a donné blond. Parce que le blond, je vous dis, c'est pas la pigment, c'est pas, c'est un manque de l'écoderme, hein, c'est le qualificatif de alba albinos. Donc, ici, les héritiers, ceux qui ont hérité de l'ancestralité égyptienne, c'est-à-dire après avoir traversé la mer Égée, enfin la Méditerranée, la Grèce antique, qui est devenue aujourd'hui le repère hellénique pour eux, et après il y a eu l'Europe aujourd'hui, que vous voyez tel que nous sommes aujourd'hui, je me trouve dans le palais de la justice de Paris, le nouveau bâtiment, parce que l'autre, qui est à côté de Notre-Dame, a été déménagé. Alors, je disais tantôt que ici, nous relatons les faits de mon modèle politique parce que je suis Dia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle. Le Congo de Tata Kimbangu, c'est le Congo de 3K, dont le centre névralgique, la capitale est Nkamba Manzavelela. Donc le Congo Yayakanda, Angola, qui est la tête de Tata Kimbangu, le Congo abdomen, donc la RDC, et le Congo des pieds, Mbanza Kimbangu, qu'on appelle malencontreusement pour l'instant Brazzaville. Mais nous disons Mbanza Kimbangu. Vous m'excuserez, j'aime pas le terme maçonnique. Parce que ce monsieur, je l'ai toujours répété, c'est un monsieur qui n'a pas arrêté son temps à usurper parce qu'il a fait usage d'une ruse violé la nièce de mon aïeul dans la cour d'Embé. Je suis un prince héritier du royaume du Dia Congo. Nous travaillons pour la restauration de l'unité. Parce que le centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, le Sédiakou, c'est notre structure où entreprenons des actions pour qu'on soit ensemble. Parce que pour pas continuer, Madiangenel répétait bien, Bolingo, Mibeko, mais ça là chez nous, il n'y a plus, oh tu es Teke, tu es Vili, non. Ces choses-là, les larmes, non, ça n'existe plus. Chez nous, on est des Congo, on est des Kimbangu en miniature. Tata Kimbangu qui est notre père, Kakamouilou qui est notre mère. Donc voilà ce qui nous unit en tant que tel. Il n'y a pas ces pratiques nimrodiennes, c'est-à-dire de la tour de Babel, de l'incompréhension du langage. Tous, on est des Kimbangu. Tata Kimbangu, quand il est venu sur Terre, il a dit, je vous ai amené la gouvernance. Donc le Yalou, Dibundu, donc notre loge à nous, l'église de Jésus-Christ sur la Terre, parce que nous sommes spécialement Kimbangu, et ce qu'on appelle la langue qui n'inga qui Kongo, n'inga Yassina, n'inga Yatouk, yutu wangabed. C'est-à-dire, n'inga Zazo, ça touka, moula qui Kongo. C'est-à-dire, vonka keto. Nimilode, donc aujourd'hui il y a des transformés, vous les voyez en pigmentation changée, manque de l'écoderme, mais c'est les mêmes, on est tous des frères et sœurs ici. Voilà. Ce qui se passe entre Papa Simon Kimbangu et le roi proche des tantôt, que c'est comme. Donc Papa Kimbangu dit, ce qui se passe entre Papa Simon Kimbangu et le roi Baudouin est un réel combat mystique, spirituel, mais aussi physique. Parce que papa Charles Kessolokele, donc Dieu le Père, est à Bruxelles et vit ce conte de fées avec le roi Baudouin Ier. Ceci n'est pas un mythe, mais une réalité sur l'indépendance du Congo belge. C'est en fait la face cachée de l'indépendance de la République démocratique du Congo,
obtenue par Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana Kiangani, avec le suivi évolution de Papa le Fort, donc Charles, qui se loquait Luke. Car tout le monde ne connaît et ne parle que de la face visible de l'indépendance de la RD Congo, obtenue par Joseph Kasavubu, Lumumba et les autres. Alors que sa vraie face, celle réalisée par Tata Simon Kimbangu et son fils, Papa Charles Kisulokele Mukelo, comme indiqué dans cet ouvrage donc, dont je vous fais la lecture, cette donc information est méconnue du public. C'est pourquoi nous, en tant que messagers de sa divinité, Tata Simon Kimbangu, en tant que disciple de l'Esprit de vérité, le Tout-Puissant Kotulendo, Tata Mwanda Velela, Tata Simon Kimbangu, nous faisons état de cela pour votre information. Mes chers amis, il est exactement 17h passé de 42 minutes dans le palais de la justice de Paris, où nous relatons ces faits. Suivant son allocution, donc Papa Charles, qui est le Père, Dieu le Père, dira ceci. Mes chers frères, après ma formation en Belgique, donc à Bruxelles, à l'issue des épreuves finales, ayant trait à l'administration publique coloniale, j'étais sorti premier. Tout le monde était content de moi et voulait à tout prix me rencontrer. La nouvelle de mon triomphe aux examens pour avoir obtenu la première place était arrivée promptement auprès de Sa Majesté le roi des Belges, Baudouin Ier. Au même moment où moi, je m'interrogeais sur ce que j'allais faire pour me rencontrer avec le roi Baudouin Ier, ce dernier avait déjà eu la résolution de me rencontrer pour me féliciter de mon succès triomphal aux épreuves de formation. Ma demande d'audience pour le rencontrer était acceptée sans embarras. Et cela m'avait permis de le voir et de m'entretenir donc face à face avec Sa Majesté le roi des Belges, le roi Baudouin Ier. Voilà, chers amis, je crois que pour et dans la suite logique des événements, Congo Brazzaville, attends, je suis à la page 81. Congo Brazzaville, Congo, j'aime pas le terme Manza Kimbangu, Braza, c'est perpétuer le mal, désolé. Manza Kimbangu, Congo Angola, le pouvoir pour le fondement de Papa Simon Kimbangu, cette vérité n'est pas seulement liée à cette convention autorisant les personnes de l'Afrique, mais aussi à l'incarcération. À la vie, pendant 30 ans, Tata Simon Kimbangu, qui a pour motivation sacrifier toute sa vie jusqu'à un sacrifice suprême pour que la libération de l'homme noir en Afrique et tout précisément des trois Congos soit une réalité, une libération à obtenir, quels que soient les acteurs des indépendances en présence. Donc, la problématique de réseau spirituel dite église kimbanguiste marchait et marche toujours
ensemble avec la problématique . Revenons donc en 1958 avec papa Charles Kisolokele comme acteur principal de cet ouvrage. C'est toujours lui qui continue à parler dans la suite du texte de cette section. En ce moment-là, soit en 1958, l'organisation des politiciens, ou tout au moins des partis politiques, s'occupait. Donc, ceux qui voulaient apprendre la charge de la gouvernance, le Yalu, donc, Yala, Kangou. Leur parti politique s'occupait de la politique, alors que les associations et les groupes religieux s'occupaient de la mettre les gens ensemble, donc religion, donc relier les gens, les mettre ensemble, relier les religions. Quel a été alors le rôle des groupes religieux, donc ce qui relie les gens spirituellement. En ce moment, en cette période, catalyseur du processus de l'indépendance de l'Afrique et de l'homme noir et du Congo belge, les groupes religieux, entre autres, la nouvelle civilisation, donc le Kintwadi, le Kimongisme, la communauté kimongiste, intercédé à l'éternel, donc, à Dieu Tout-Puissant, à Tata Nzambi, en Pungutu Lendo, pendant leur béko, c'est-à-dire les veillées de prière, de protéger, de soutenir spirituellement les acteurs politiques et leurs partis politiques, en l'occurrence l'Alliance des Bakongo à Bako, et de leur donner l'intelligence, la force, le courage, le pouvoir. Mener des négociations intelligentes afin que l'autorité coloniale accepte d'accorder l'indépendance du Congo. Une fois réussi, cela constituerait une porte ouverte des indépendances d'autres Congo et de toute l'Afrique. Ici, nous voulons aborder le chapitre 4, verset 2, sur ce qui est des entretiens entre Charles, Dieu le Père, Papa Kisolokele, donc le fils aîné de l'Esprit de vérité, Tata Kimbangu, qui est donc Dieu le Père incarné sur terre, en 1958, au mois de mai. Son voyage à pour Bruxelles, dont en cette année 1958, ouvre une autre page de l'histoire de Papa Kisolokele Mokilo, qui coïncide avec l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'aime pas le terme D, la République divin plutôt, D comme divin, parce que c'est un territoire divin, s'il vous plaît. Le royaume divin Congo, comme vous direz. Ces informations sur ce qu'il a observé lors de son entretien avec le roi Baudouin Ier en 1958 au palais royal de Laeken à Bruxelles, nous ont été donnés par lui-même en ce et ce de la manière la plus complète possible. Voici alors les propos de papa Charles Kisolokele Lokelo, Dieu le Père, à ce sujet. Dieu le Père parle. Il est en entretien avec le roi Baudouin Ier. Le roi Baudouin Ier m'avait vraiment très bien accueilli, avec un cœur bien ouvert et disponible. Et de mon côté, je l'avais beaucoup remercié pour son accueil combien chaleureux. Effectivement, la rencontre avait eu lieu. Sa Majesté le roi Baudouin Ier avait bien voulu
m'accorder d'abord la parole. Prenant la parole, je lui transmettais la demande de mon père, papa Simon Kimbangu, en ces termes. Voyez ce que papa Kisolokele déclare au roi de Belge de la part de son père, l'esprit de vérité Tata Kimbangu. Sa majesté, moi, Charles Kisolokele, fils aîné de Simon Kimbangu, que vous avez arrêté et emprisonné à vie au Congo belge en 1921. Ensuite, moi-même, je suis en relégation depuis 1921 jusqu'à ce jour. Et puis, lors de mon arrestation en 1921, j'avais à peine 7 ans. Papa Kisolokele continue en disant ceci. Au moment où j'ai été choisi avec les autres commis en chef de l'administration coloniale pour cette formation en Belgique, mon père, papa Simon Kimbangu, m'avait dit que c'était une occasion de choix pour nous de rappeler au roi des Belges, Sa Majesté Boudou Ier, l'objet de la seconde convention signée entre lui et votre grand-père, le roi Albert Ier, sur la date convenue pour la décolonisation du Congo belge et de l'Afrique, car le temps est largement dépassé. Il y a lieu de comprendre que depuis 1885 jusqu'à cette année 1958, soit 73 ans après, que du temps écoulé plutôt, et que le peuple noir croupissait et continuait à croupir sous la domination belge en particulier et occidentale en général. C'est la raison pour laquelle mon père, papa Simon Kimbangu, m'envoie auprès de vous, Sa Majesté, vous demander sur l'accomplissement de ces accords, de cette convention. Papa Simon Kimbangu demande à Sa Majesté d'accepter afin de pouvoir accorder l'indépendance du Congo. Si Sa Majesté est favorable, papa Simon Kimbangu vous demande alors de bien vouloir indiquer l'année, le mois et le jour de l'indépendance du Congo belge. Ensuite, mon père me prie de pouvoir vous transmettre ceci. Si vous opposez un refus d'accorder l'indépendance au Congo belge, alors veuillez signer une lettre attestant votre refus, ou le cas échéant de signer une déclaration de guerre entre vous, le roi Boudou Ier, et lui, Simon Kimbangu. Et celui qui va l'emporter deviendra alors sans conteste le roi de l'Afrique, ou du moins le propriétaire de l'Afrique et de la RD Congo. Après m'avoir écouté angéliquement, c'est-à-dire avec une attention soutenue, Sa Majesté le roi Boudou Ier, visiblement stupéfait et surpris, me répondit en ces termes. Monsieur Kisolokele, ça c'est le roi des Belges, Boudou Ier qui s'adresse à Dieu le Père, Tata Kisolokele Mikele. Monsieur Kisolokele, vous êtes sincèrement intelligent et sage. Tout ce que vous venez de me relater ici m'est allé droit au cœur. Et j'accepte la demande. Je l'accepte pour la simple raison que le dossier relatif à la convention passée entre mon grand-père, puis mon père, le roi Albert Ier, et votre père, Simon Kimbangu, je l'ai avec moi.
Cependant, observant que votre père est décédé depuis 1951, maintenant nous sommes en 1958, et lui me déclare la guerre. Pourquoi me demande-t-il de se battre contre lui alors qu'il n'est plus en vie? S'adressant à papa Kisolokelo, Charles, sa majesté le roi dit: votre père Simon Kimbangu est très dangereux. De ce fait, j'accepte d'accorder l'indépendance au Congo belge, voire à l'Afrique. Mais avant cet acte solennel, accordez-moi un petit moment, un peu de patience, le temps qu'il faut pour que je puisse réunir mon parlement et lui soumettre le dossier sur l'indépendance du Congo belge. Cependant, en ce qui concerne votre relégation, à l'instant même, je donne l'ordre au gouverneur du Congo belge d'accorder une amnistie générale à tous les relégués arrêtés pour raison de Simon Kimbangu, afin qu'ils retrouvent définitivement leur liberté. Quant à vous, M. Charles Kisolokele, il y a lieu de savoir qu'à partir de ce moment même, vous n'êtes plus relégué, vous n'êtes plus prisonnier, vous êtes libre et nommé au grade supérieur à la fonction du chef du territoire de Tchela. Nous vous construirons une grande résidence à Kinshasa où vous occuperez par la suite la fonction du chef de la population noire de Kinshasa et du premier bourgmestre à la place de Monsieur Tordeur. De tout ce que le roi m'avait proposé, papa Kisolokele rétorque, il explique, de tout ce que le roi m'avait proposé, ma réponse au roi Baudouin Ier était la suivante. Tata Kisolokele Lukelo nous dit: Sa Majesté, le roi, moi, Charles Kisolokele, je suis venu ici en Belgique, non pas pour solliciter à devenir une autorité de demain dans mon pays. Merci pour les sollicitudes, mais je suis venu répondre à votre invitation sur la formation des commis en chef de notre pays, retenu à cet effet après le concours. Cependant, en ce qui concerne le dossier de mon père, papa Simon Kimbangu, je vous dis merci pour votre réponse positive, car ce dossier demeure notre espoir, l'espérance de tout un peuple, celui du peuple noir avec le Congo belge en tête. C'est notre réussite, la libération de l'homme noir de toutes les servitudes, de toutes les dominations. Car comment pourra-t-on diriger ses semblables sous le joug de la domination spirituelle, politique, socio-économique et culturelle? Ainsi, accorder à notre pays, à d'autres colonies et à l'homme noir leur souveraineté, source de leur épanouissement et une réelle bénédiction. Merci beaucoup, Sa Majesté le Roi. C'est Tata Kisolokele Lokelo qui s'adresse au roi Baudouin Ier.
L'échange étant vif et convivial, Sa Majesté le roi Baudouin Ier me répondit en ces termes. Monsieur Charles, donc le fort, monsieur le fort, le Karl, vous me parlez comme si vous étiez encore en relégation. Non, vous n'êtes plus en relégation. Monsieur Charles, pour cela, je vous demande de me donner un peu de temps pour accomplir votre souhait. Car maintenant, je veux prendre une décision en votre faveur, en celle du Congo, ce qui est déjà fait. Mais c'est le Parlement qui doit statuer, qui doit avaliser cette décision définitive. Je suis sûr que les choses vont aller dans le bon sens. Pour cela, pour clore son adresse à notre endroit, Dieu le Père, Papa Kisolokelelukelo, le fort, donc Charles, nous dira encore une fois de plus ceci. Mes chers enfants, vous voyez le travail que je viens d'accomplir à Bruxelles et surtout l'accord que je viens de conclure avec Sa Majesté le roi Baudouin Ier pour avoir répondu favorablement aux requêtes de mon père, Papa Simon Kimbangu. Les relations fructueuses créées entre moi, Charles Kisolokele, et Sa Majesté le roi Baudouin Ier sont très bénéfiques pour notre pays et l'Afrique. L'indépendance du Congo et de l'Afrique sera très bientôt une réalité. C'est pourquoi je vous exhorte, mes chers enfants, à abandonner dès cet instant même vos anciennes habitudes, à changer votre comportement. Pour cela, il faudra s'abstenir de la prise de boissons alcooliques, des danses obscènes, de la prostitution, bref, d'abandonner les antivaleurs qui mènent la spiritualité de notre peuple, qui mine la spiritualité de notre peuple. Donc, il faut abandonner tout acte contraire aux recommandations bibliques et à celles édictées par Papa Simon Kimbangu. Il faudra vous adonner totalement à la prière. Celle-ci demeure l'arme puissante et absolue de tout celui qui croit en Dieu, le Tout-Puissant. Le moment de la liberté est proche et elle a sonné. D'autre part, Papa Kisolokele Lukelo, le fort Charles, donc, durant son séjour en Europe, précisément à Bruxelles, était en contact permanent avec son jeune frère, le siège de toutes les pensées, Tata Kuntima Dianyenda. Joseph, donc Dieu ajoute. Parce que Joseph veut dire Dieu ajoute. À son retour à Kinshasa, Dieu le Père, Tata Kisolokelelukelo, le fort, donc Charles, était directement parti en Kamba, accompagné de son jeune frère, Tata Kuntima Dianyenda, Joseph. En Kamba, tous les trois enfants de Tata Simon Kimbangu, donc la Trinité Céleste, ici voici le soleil, les trois grandes puissances, la puissance, les trois puissances divines maternelles sur terre. Papa Kisolokele Charles, le fort,
Papa Dialungana Kangani, le Pacifique, donc Salomon, le Christ Jésus, et le sait toutes les pensées, la seconde disposition de Tatimbangu, Kuntima Dianginda, étaient tous réunis autour de leur mère, Ngudi Alongo, Nkaka Mouilou, aimé donc Barry, l'étoile, Mouilou donc, Kiawanga, celle qui entend lire, qui a rendu la femme respectueuse, Nzitani, donc Nditissou. Cette réunion avait pour objet d'écouter le rapport de la mission effectuée par Papa Charles Kisselokele-Lokri à Bruxelles. Surtout son entretien avec le roi Baudouin Ier concernant la libération du Congo et de l'Afrique et aussi de tous les relégués kimbistes. Le rapport de Papa Charles Kisselokele-Lokri, Dieu le Père, auprès de la famille réunie était satisfaisant, concluant plein d'espoir et d'enthousiasme pour l'Afrique et la RD Congo. Donc, sa mission était une grande réussite. Voilà donc comment Papa Simon Kimbangu a fait le nécessaire pour que nous, Africains, c'est-à-dire qu'on devienne lui affouer en week-end, c'est-à-dire libre et capable. Oublions les frontières. Oublions nos dispositions de la tour de Babel, c'est-à-dire les langages, les langues, qui nous provoquent l'incompréhension. On est tous des Congos, des Bantous, les Bantous, c'est pas Bantous, non, les Bantous, c'est-à-dire Bas comme les Ntous, les premiers. On est les premiers peuples. Donc nous devons nous approprier de notre action. Dans le même registre, il y a lieu de savoir que Papa Simon Kimbangu avait livré à ses enfants sa volonté en matière d'exercice de la fonction politique en ces termes. Voilà ce que Papa Kimbangu nous dit pour nous les politiciens, pas les politiciens. Parce que il y a ceux qui servent les francs-maçons, les roseaux chrétiens, les maïtaristes, les catholiques, enfin tout le peuple qui légitime la pratique nimrodienne, c'est-à-dire égyptienne avec le serpent en tête, et donc la Grèce hellénique. Grèce, Non, là, Papa Kimbangu nous adresse à nous, les politiques de cette nouvelle civilisation, régie par les trois principes fondamentaux, le Nzo, Nzisa, c'est-à-dire Zola, Nsiku, Bisalo. Salo, donc Zola, Nsiku, Salo. Donc, Bomimi, Bolingo, Nibeko, Misala. Suivons ce que dit Tata Kimbangu à nous, mes chers enfants. Ne prenez jamais la tête, ou du moins, ne prenez pas la direction des affaires politiques. En plus, n'adhérez jamais à un quelconque parti politique. Au mieux, articulez-vous à servir les autres. Deux. Cependant, il faudra choisir les proches qui sont avec vous, les amis avec qui vous avez étudié, ou des gens que vous connaissez très bien, intègres, éthiques, intelligents, non conflictuels, donc possédant des qualités morales appréciables et capables de créer des partis politiques ou d'y adhérer afin de déclencher le processus de l'indépendance, puis après diriger le Congo indépendant sous leur ordre, encouragez-les. Concernant le rôle respectif de chacun de vous, mes enfants, donc Papa Kimbangu s'adresse à ces trois postérités. Dans cette période mouvementée, qui s'annonce, sachez-le très bien, que vous, Papa Charles Kisselokele, donc, vous serez leur conseiller. Votre petit frère Joseph Dianginda s'occupera impérativement de la constitution et de la construction de l'église. Et puis, votre autre petit frère Dialungana, le Pacifique, donc Salomon, sera le gardien du temple et de la cité sainte de Nkamba, ensemble avec Mama Mui. Voilà les recommandations que l'Esprit de vérité dispose
physiquement aux trois glorieux, à savoir Dieu le Père, Tata Kesolokele, Dieu le Fils, Padialungana Kangani, et Dieu le Saint-Esprit, lui-même incarné évidemment, Tata Kuntima Djengenda Joseph. Observons que, au mois de juin 1958, Papa Charles Kesolokele Mokelo commencera à assumer la fonction d'administrateur du territoire du bas-fleuve à Tchela, et ce sur nomination du gouverneur général du Congo belge. Tout ceci fait partie de l'accomplissement de la parole de Sa Majesté le roi Boudon Ier, parole donnée à Papa Charles Kesolokele lors de leurs entretiens en 1958 à Bruxelles. Verset 4. Laissons attirer sur cette convention. Comme vous le constaterez, depuis la signature de cette convention entre Papa Simon Kimbangu, encore en prison, à Elisabethville, Lubumbashi, je pèse les mots, c'est pas Lubumbashi, non, Lubumbashi. C'est-à-dire là où il était gardé son terroir, son corps, cette masse terrestre qu'il avait portée et qui a connu les 30 ans de prison, Lubumbashi. Nti, c'est le territoire, le Nti. Nti a Andi, Yakongo. Tous les Anamboti. Et Sa Majesté, le roi Albert Ier, encore en prison en Allemagne. Le processus de libération de l'Afrique et du Congo belge de cette époque était déclenché déjà en 1956. Le plan Van Bilsen provoque un tollé général sur l'indépendance du Congo et de l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'en 1958, Sa Majesté, le roi Boudin Ier, sous la couverture de la formation du commis en chef de l'administration publique du Congo belge et du Rwanda-Urundi, ordonne au pouvoir public, pouvoir colonial plutôt, pour donc, d'assurer cette formation afin de préparer déjà des indigènes à la gestion de leur pays respectif. Sa Majesté, le roi Boudin Ier, le savait déjà très bien, car son couronnement et sa descendance, il est lié à la convention signée entre Papa Simon Kimbangu, le roi Albert Ier, et Papa Simon Kimbangu, entre son père donc, le roi Albert Ier et Papa Simon Kimbangu, lors de la première guerre. Je dis non, entre le roi Julien et le roi Albert Ier, et Papa Simon Kimbangu lors de la guerre entre 1939 et 1945. Le rappel de cette convention auprès de Sa Majesté le roi Baudouin Ier, 1958, par Papa Kesolokele Mokelo, Dieu le Père, entre dans cette dynamique de libération de l'homme noir et de l'Afrique, dont le centre d'impulsion reste
papa qui se kele lokelo. Donc le Congo Kinshasa. Comme l'histoire est têtue, elle nous indique que la décennie des années 50 demeure celle du démarrage du processus de la libération de l'Afrique. En 1960, précisément le 30 juin, un jeudi, Kankenge, Jupiter Day, notre jour, Kankenge, un jeudi, le Congo Léopoldville devint indépendant, puis après, c'était le tour du Congo français, dit Brazzaville, et enfin, en 1975, c'était l'indépendance du Congo-Angola. Et depuis cette convention entre Papa Simon Kimbangu et le roi Albert Ier, déclenchant le processus des indépendances des pays africains, d'autres pays du monde étaient aussi devenus indépendants. Ainsi, on peut l'observer. Ainsi, comme on peut l'observer, Papa Simon Kimbangu constitue le fondement de la nouvelle civilisation africaine. Après les indépendances africaines, pour dire ainsi, comme on peut l'observer, Papa Simon Kimbangu constitue le fondement de la nouvelle civilisation africaine après les indépendances africaines. Car sans cette convention de la libération de l'Afrique et de l'homme noir, avec le roi Albert Ier qui représentait le monde occidental, le peuple dominateur de la race noire et du monde entier, cette libération tant attendu allait encore prendre plusieurs années. Comme ne l'avait cessé de l'annoncer Tata Kuntima Diangenda, donc sa deuxième disposition physique sur Terre, Tata Simon Kimbangu deuxième, et ne cesse de le rappeler, de l'annoncer, la troisième disposition telle qu'il est en Kamba aujourd'hui, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kanami. Cette dame nous fait comprendre d'une façon expressive que la spiritualité et les affaires de l'essence spirituelle de l'église Tata Kimbangu cheminent avec le temporel, donc la politique tenue par l'État. Ici, nous constatons que la constitution des États africains en général et du Congo Kinshasa en particulier ont tous pour fondement la puissance de Papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc, elle a pour source l'aspect spirituel ici exercé par le Almighty, le Tout-Puissant, le Nkwakulengo, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kyangani. N'eût été la transmutation
la téléportation de Tata Kimbangu Ier en Allemagne. Alors en prison à Elisabethville pour aller négocier et signer cette convention sur l'indépendance de l'Afrique. Et de ce fait, le Congo Kinshasa, le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, le Congo Yaya Kanda, Angola, les indépendances de l'Afrique et la libération de l'homme noir étaient impossibles, voire chimériques. C'est le spirituel qui avait tout déclenché, car le matériel est toujours, a pour toujours fondement le spirituel. Et cette spiritualité, c'est celle de Mutamba, de sa divinité, Tata Simon Kimbangu, Kyangani. Ainsi, voici comment s'applique déjà l'adage. Tout pouvoir vient de Tata Simon Kimbangu, Kyangani. Donc le divin, le Dieu. Autrement dit, tout pouvoir du pays, d'un pays, à fondement spirituel. Et pour les trois Congo, Congo, l'abdomen, RDC, le Congo, la tête, Yaya Kanda, Angola, et le Congo, les pieds, le commencement de toute chose, et Bandilia Makambo, Mbanza Kimbangu, former Brazzaville. Leur pouvoir a pour fondement Papa Simon Kimbangu Kyangani. Cette vérité n'est pas seulement liée à cette convention autorisant la libération de l'Afrique, mais aussi à l'incarcération à vie pendant 30 ans de Tata Simon Kimbangu Ier, qui a pour motivation sanctifier toute sa vie, sacrifier toute sa vie, jusqu'au sacrifice suprême pour la libération de l'homme noir de l'Afrique. Les trois Congo soit une réalité, je dis bien une réalité, une libération à obtenir, quels que soient les acteurs des indépendances en présence. Donc, la problématique de l'institution spirituelle qu'on appelle Église Kimbanguiste marchait et marche toujours ensemble avec la problématique politique. Revenons en 1958. Avec Papa Charles Kisoké, le fort, Papa Kisoké, comme acteur principal de cet ouvrage, Papa Kisoké, le Kélo. C'est toujours lui qui continue à parler dans la suite de ce texte, de cette section. En ce moment-là, soit en 1958, l'organisation politique, donc l'organisation des politiciens, ou du moins des partis politiques, s'occupaient de la politique, alors que les associations et les groupes religieux s'occupaient de la religion, relier les gens, religion, les mettre ensemble. Religion. Quel a été alors le rôle des groupes religieux ? En ce moment, en cette période catalyseur du processus d'indépendance de l'Afrique, de l'homme noir et du Congo belge, quel était alors le rôle des groupes religieux? En ce moment, en cette période catalyseur du processus d'indépendance de l'Afrique, de l'homme noir et du Congo belge, les groupes religieux, entre autres la communauté kimbanguiste, intercédaient à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est elle? C'est Tata Simon Kimbangu Kyangani. Voilà. Mes chers amis, je veux pouvoir vous signifier ceci. Les groupes religieux, entre autres la communauté kimbanguiste, intercédaient à l'Éternel, à Tout-Puissant. Le Tout-Puissant Tata Kimbangu Kyangani, à ce moment-là, vous savez, la disposition qu'il avait. Le qu'on appelle le Nza Ambi en Pungutulembe. Je vous signale en passant que le terme Nza Ambi
C'est une interjection de notre ancêtre premier Adam, qui, une fois commis la maladresse d'écouter ce que Shétan Kadiampemba avait instruit à son épouse Ève, qualifia l'esprit qui venait les visiter le soir. L'esprit là, le Mpungutulengo, le Mpou Chapeau Mou dit la matrice qui gouvernait l'humanité en ce moment-là, qui continue de faire d'ailleurs. Il dit Nza Ami Mpungutulengo, c'est-à-dire le monde qui est devenu mauvais de Mpungutulengo. Il oubliait que c'est lui-même qui était devenu lui. C'est pourquoi Papa Dialungana, notre Seigneur Jésus-Christ, il disait que mais le monde n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes devenu mauvais. Moi, ma terre que j'ai disposée et qui est dans la bonne disposition, c'est vous qui êtes devenu corrompu parce que vous, votre corps n'est plus ma résidence, c'est devenu la résidence de Shétan Kadiampemba. À partir du coup d'État, le fait qu'il est séduit, il s'est substitué, mon esprit s'est substitué. Vous m'avez fait sortir, en quelque sorte, et vous avez mis place à notre esprit, donc le Shétan Kadiampemba. Le Nza Ambi, Nza Yambi, Nza Yambi, Nza Yambo Tenina, Tata Kimongo Pitoria, Wavoya Koyet, Paso Yala Ya. Vous voyez ce que c'est? Le soutenir. Bonjour, monsieur. Spirituellement, j'ai pratiquement fini 5 minutes. 5 minutes, tout à fait. Ah d'accord, ok. Écoutez, mes amis, vous m'excuserez, donc je vais pouvoir continuer cet échange avec vous un peu plus tard parce que je suis dans les locaux du Palais de Justice de Paris. Où nous rendrons justice à qui de droit, n'est-ce pas? Je vais vous remarquer, j'avais commencé par cette lecture des propos de René Cassin. Hein? Eux réclament un droit d'être des hommes. Non, nous on est des hommes naturellement. Nous ne sommes pas devenus. Il y en a qui sont devenus parce que Darwin l'a déclaré, il a pensé aux enfants, ils sont devenus, mais nous on est des moutons. C'était le médiatif de ce jour Konzo. On est le 17 mai, nous dans le Kumbangumona. Nous sommes, attendez, je vais vous ajuster cela parce que je vais regarder mon calendrier du Tata Kimbangu dans le Kimbangumona. Ce jour, nous sommes exactement depuis dans le nouvel an de Kimbangu, de Kimbanguisme. On est aujourd'hui un Konzo, le Konzo le 14 de Kintombo en l'année 98. C'était le Medeki. J'ai